Good morning, allez, Iden les Sisra aujourd'hui, les Elohim, Nishmat, Richard, Ron, Ben, Fortuné, Mazal, Claude, Israq, Ben, Fortuné, Mazal, Dani, Myriam, Bat, Élisée, Elisa, Sayak, et Sigmund, Ben, Moshe. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Yuma, Père Gimel, Mishnah, Vaveviou, les Beta Parva, Ova Kodesh, Haïta. Père Sou, Sadin, Shel, Boutz, Beno, Leven, Am. Kidesh, Adav, Eraglav, ou Pashat. Rabbi Meir Omer, Pashat, Kidesh, Yada, Veraglav. Yarad, Vetaval, Alav, Nistapag, Velo, Bigde, Lavan. Lavash, Kidesh, Yada, Veraglav. Pour rappel, 5 tronçons dans la Avoda de Yom Kippour. Bigde, Zahav, les 8 Bigadim du Kohen Gadol, avec de l'or, tout ce qu'il y avait, les filants d'or et tout ça. Bigde, Zahav, Bigde, Lavan, Bigde, Zahav, Bigde, Lavan, Bigde, Zahav. Chaque fois qu'il fait une Avoda spécifique, ah, Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, il met des Big Day Lavan, des habits en lin. Et quand il fait une avoda à l'extérieur du Beth Amikdash, dans les avodat Rous, la avoda qui concerne les corbanotes qu'on veut faire sur le Mizbeach classique, alors il devrait la faire avec les 8 vêtements spécifiques du Kohen Gadol. Les Shmoné Bgadim, les Big Day Zav, qu'on appelle dans le Mishnah. On a vu dans la première Mishnah d'Alet qu'il a fait le premier morceau de avoda. Il a fait tout le Korban Tamid avec les Nesachim, on a porté quelques présents dans le Mishnah. À présent, maintenant, on se prépare à la Avoda spécifique de Yom Kippour. On va entrer en plein dedans. La première des choses à faire, premièrement, tu as des habits, les Big Day Zahav, tu vas devoir les ôter, te tremper au Mikvé, et mettre les Big Day Lavan. Maintenant, en précision, on avait déjà évoqué l'histoire qu'il fallait se laver aussi les mains. Kiddush Yadayim Veraglaim, il fallait se laver les mains, il fallait faire une ablution des mains pour se sanctifier les mains plutôt. Et ça, alors là maintenant, on va découvrir une discussion dans notre Mishnah. On commence à traduire d'abord maintenant, après on apportera des précisions. Et Viou, les Bet Aparva, on a porté le Kohen Gadol au Bet Aparva, ou Bakodesh Arita. C'était un endroit qui s'appelait Bet Aparva, c'est appelé au nom de celui qui l'avait construit, ou il y en a qui disent que c'était un Mechachef. Non, pas elle. Non, Beta Parva, celui qui l'a construit. Et au Bakodesh Haïta, elle était dans un endroit, dans l'enceinte, son accès était dans l'enceinte de la Hazara, donc c'est un lieu kadosh. Persu Sadin Shelbutz Beno Levenam. Et de nouveau, on tendait un rideau blanc entre le Kohen Gadol et le peuple. J'ai un problème technique, parce que ça, on a vu cette phrase exactement dans la Mishnah d'Alet. Apparemment, ce qu'il faut déduire, c'est qu'on ne sait pas complètement, constamment, ce rideau blanc tendu. J'imagine qu'en fait, c'était juste le temps de faire la Tvila, hein. On cachait le Kohen Gadol, en fait, il allait se déshabiller, il allait se déshabiller devant tout le monde. Tout le monde pouvait le voir, il était sur le toit là-bas. Donc, du coup, on tendait un rideau blanc pour nous rappeler, en fait, que la Avoda de Yom Kippour, elle est avec les Big Day Lavan. La Avoda spécifique de Yom Kippour, elle est avec les vêtements blancs en lin. Donc du coup, on tendait ce rideau blanc. Comme ça, je déduis. Ouais, mon problème était que dans la Mishnah d'Alet, on a déjà dit qu'on a tendu un rideau. Pourquoi il est plus resté là que dans la Mishnah Vav, tu me répètes qu'il faut le tendre de nouveau. Je comprends qu'en fait, on le tendait à chaque fois qu'il devait se tremper, mais on ne le laissait pas ensuite. Je pense. Maintenant, précision. Avant de faire une avoda, il faut non seulement se tromper au mikvé, mais il faut aussi se sanctifier les mains et les pieds. Lorsqu'il a fini de se sanctifier, il a fini de se tremper au mikvé, d'après tous les avis, il va falloir se sanctifier les mains. D'abord, tu t'habilles, après, une fois que tu t'habilles, tu te prépares un an à faire la suite de la avoda. Là, maintenant, tu vas te sanctifier les mains et les pieds. Ça, c'est clair. On a un problème, c'est qu'on déduit aussi des psukim qu'il faut aussi sanctifier les mains avant la tvila, avant de se tremper au mikvé. Et là, on a une machloquette essentielle entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'on fait le Kiddush Yadayim Raglaim avant de se déshabiller, ou d'abord on se déshabille, on fait le Kiddush Yadayim Raglaim, mais seulement après on se trompe au Migvé. La Mishnah m'enseigne comme ça, c'est du tout ça de Psukim. Kiddush Yadayim Raglav, donc une fois qu'on a tendu le rideau blanc, il se sanctifie les mains et les pieds, ou Pashat, et il se déshabille. Ça c'est la vie de Tanakama. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit non, Pashat, il retire ses habits, et ensuite Kiddush Yadayim Raglav. C'est-à-dire d'après Tanakama, d'abord il se sanctifie les mains et les pieds, et seulement après il se des habits pour se tromper au mikvé. Donc en fait, tu as fini la avoda jusqu'à maintenant. Tu achèves ta avoda en te sanctifiant les mains.
Dis que tu rends les mains au Créateur, il t'a aidé à faire la Avoda, tu lui dis ça y est, j'ai fait mon devoir, sanctifie tout ce que j'ai fait, j'imagine que c'est un peu ça l'idée. Et après, une fois que maintenant que tu t'en divines les mains, maintenant tu te prépares à tremper au milieu, donc tu te déshabilles, tu te trempes, tu te rhabilles, et après tu refais la kiddush à la Mergalem. C'est la vie de Tanakama. Rabbi Meir te dit non. Il te dit Rabbi Meir que la Gemara elle explique en fait que tu te sanctifies avant le mikvé et après le mikvé. Ce que tu dois sanctifier les mains entre deux avodot avant de te tremper au mikvé, c'est parce que tu prépares l'avodat ensuite. Une fois que tu as retiré tes habits, alors tu vas te faire la kiddush adayim ragalim, tu te trempes au mikvé, tu te rhabilles et tu fais kiddush adayim ragalim. Entre parenthèses, par rapport au matin, lorsqu'on est arrivé pour la première tvila de la Mishnah d'Alet, la Gemara explique que Rabbi Meir pense que même quand il va avoir ses big d'échol, parce qu'il a passé la nuit avec ses big d'échol, ses habits personnels, lorsqu'il va retirer ses habits, il va déjà se sanctifier les mains, se tremper au mikvé, et lorsqu'il va sortir, il va se rhabiller avec les big des aves, et là, il va faire deux ablutions. Rabbi Meir a fait deux ablutions déjà dès la première fois, tandis que d'après Khamim, il te dit non. Khamim, lorsque tu fais kiddush adayim raglaim, c'est pour finir la voda que tu as fait. Donc, t'as rien fait pour le moment, t'as passé la nuit, tu ne devras pas faire kiddush adayim avant de te tremper au mikvé. Quand tu vas te tremper au mikvé, là, c'est pour préparer la suite. D'accord? Donc, ça, c'est Rabbi Meir Omer, Pachat, il retire ses habits, kiddush adayim raglaim, il va sanctifier ses mains et ses pieds. Ensuite, Yarad vetaval ala venistapag, il descendait dans le puits. Il se trempait, et il remontait, et il se séchait, comme on a expliqué dans le Mishnah d'Alet. Il se séchait, l'importance qu'on n'ait pas de khatissa, d'écran entre les habits et son corps. Et violo big de la vanne, et là on lui a porté les habits blancs, la vache, il se vêtissait de ses habits blancs. Et kidesh adav erglav, une fois qu'il était prêt et dispo à commencer l'avoda, il se sanctifiait les mains et les pieds pour aller faire maintenant la avoda de Yom Kippour qu'on va découvrir dans la Mishnah Chet, parce que dans la Mishnah Zayn, on va avoir quelques précisions, mais en tachem, sur les vêtements, la qualité des vêtements. C'est tout pour aujourd'hui, je suis une pleine de Hatzlacha comme tout, c'est là.